Nous avons une première mention spéciale qui est accordée au catalogue cette année, Victor Hugo Dessin, édition Paris Musée, maison au pluriel de Victor Hugo, Paris. Bonsoir, et j'ai la gentillesse de vous présenter. Et Gérard Audinet, directeur des maisons de Victor Hugo Paris-Guernesey et auteur du catalogue, avec Nathalie Peck, l'éditrice, et Muriel Roche, responsable des éditions à Paris Musée. On voulait faire un bel ouvrage sur les dessins de Victor Hugo de la collection. On voulait faire une belle exposition sur les dessins de Victor Hugo pour la réouverture du musée après travaux. Voilà, on a fait que les deux se rencontrent et que ce soit un regard croisé sur la collection. Bien sûr, ce soir, j'ai une pensée émue pour Delphine Lévy, qui est à l'origine de ce projet. Et puis, bien sûr, je tiens à vous remercier pour ce prix et à remercier toute l'équipe éditoriale. Je suis très, très heureuse que ce livre soit un prix. J'ai trouvé vraiment votre intervention très juste. Enfin, je suis très contente que vous ayez repéré voilà, ce qui, pour nous, fait... on a vraiment de l'attachement pour ce livre pour toutes ces raisons-là. C'est un travail d'équipe, voilà, c'est un livre, un catalogue d'exposition est un travail d'équipe et voilà, ce résultat ce soir et ce prix, c'en est la consécration et ça m'est beaucoup. Je voulais remercier Gérard, évidemment toutes les équipes de Paris Musée, et préciser que ce livre est sorti avant l'exposition, l'ouverture de l'exposition. Il a été réimprimé avant l'ouverture de l'exposition. Il y a une pandémie qui a un peu voilà. Il va continuer son chemin longtemps. Ça n'a pas empêché le catalogue d'être réimprimé, de trouver sa place, de faire ça, au travail de tout le monde. Bravo. La mention cette année, parce qu'il y en a une deuxième, va à Elles font l'abstraction, édition du Centre Pompidou. Claire de Pointé, directrice des éditions. Un grand merci aux arpenteurs pour déjà cette très belle sélection et puis pour cette mention spéciale. Merci beaucoup pour votre présentation aussi qui était vraiment, vraiment excellente et qui rend tout à fait hommage à ce livre. Donc c'est un livre qu'on a voulu, en fait, une encyclopédie d'art, vous l'avez bien souligné, hein, il y a un très très grand nombre d'illustrations, beaucoup de notices. C'est une conception de maquette qui a été faite par Lynn Cello, un travail vraiment pareil, hein, je reprends les mots de Nathalie et de Muriel, voilà, un travail d'équipe, hein, comme tout ce qu'on fait sur des éditions de catalogue d'exposition, donc un catalogue même d'équipe nombreuse, en fait, on est très très nombreux à contribuer sur ces catalogues. Voilà, vous avez aussi peut-être noté cette couverture qui est un petit peu particulière. Alors le choix d'une couverture pour un livre thématique, c'est toujours très difficile parce qu'on a toujours envie, nous les éditeurs d'art, de mettre des très belles œuvres. Donc voilà, là il s'agissait aussi d'être le reflet du titre. Évidemment, on a une très belle œuvre, je ne dis pas que l'œuvre n'est pas belle, mais on a une œuvre et on a surtout une artiste en train de faire. Donc c'était ça vraiment le défi de cette couverture, c'était vraiment de transmettre à la fois le L, l'abstraction, mais surtout le fond, puisque là on est vraiment dans le geste de cette artiste qui lance sa peinture sur le sol. Voilà, donc vraiment une encyclopédie d'art dont on est très très fiers, qui est aussi un petit peu la poursuite du travail de Christine Massel, hein, qui est la commissaire de cette exposition, et qui avait été aussi commissaire de l'exposition L à Centre Pompidou, vous aviez peut-être vu, donc qui étaient un peu les prémices aussi, hein, de la reconnaissance de ces artistes femmes. Donc voilà, on a tout un grand nombre de commissaires, ce ne sont pas que des conservatrices ou des commissaires féminines, heureusement, il y a aussi des hommes qui contribuent à la reconnaissance de ces artistes femmes. Et donc voilà, le Centre Pompidou a vraiment à cœur d'accompagner cette réémergence et cette reconnaissance qui est accordée à ces très très grands artistes. Je mentionne juste aussi, vous verrez peut-être si vous feuilletez le livre, au début du livre, on a choisi de faire une galerie de portraits. Donc ça, c'est le fruit d'une très longue recherche iconographique, parce que justement, ces artistes sont encore invisibles, donc on ne trouve pas si facilement leurs portraits. Et c'était aussi une galerie qui était à l'entrée d'exposition, voilà, pour rendre vraiment les visages de ces femmes visibles. Vous verrez, c'est sur un papier, c'est un petit peu différent. Donc voilà, un très très grand merci. Un grand merci aussi à toute l'équipe éditoriale qui n'est pas là, mais que je remercierai. En votre nom pour ce prix, mais vraiment, ça nous touche beaucoup. Un très grand merci.